Eh bien salut à toutes et à tous, l'aime compagnie, très content de vous retrouver aujourd'hui pour le cinquième épisode de Sons of the Forest. Si je dis pas de bêtises, cinquième ou sixième, je suis perdu. Voilà, je suis perdu, exceptionnel encore aujourd'hui puisqu'on est mercredi. Voilà, c'est cadeau, ça fait plaisir, je me le permets. On est du coup devant la caverne, je me suis fait mon petit campement temporaire. D'ailleurs du coup je vais récupérer tout ça les gars. N'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu et surtout à vous mettre dans le noir, parce qu'aujourd'hui on va rentrer dans les ténèbres, vous l'aurez compris, on va rentrer dans cette grotte directement les amis. J'espère que vous allez apprécier cet épisode qui va être assez dark, hein, qu'on se le dise. Alors comme dit, je ne sais plus du tout qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette grotte, mais nous y allons. Voilà, c'est la vraie première grotte dans laquelle on va pas faire demi-tour, on va vraiment se plonger à fond et on va s'équiper d'ailleurs, on a les armures d'os, hop, on va directement toutes les équiper. Voilà, la jauge d'armure en bas à droite. Armure de cuir, on va prendre. Armure de feuille, on va prendre, voilà. Comme ça, on est full en protection. Notre arme principale sera donc la machette. On a toujours une hache pas trop loin. On a un flambeau qu'on va équiper. On a un pistolet également, on n'oublie pas. Le pistolet, on va prendre quoi comme raccourci? Le 3. Voilà, ça devrait aller. Les lunettes de vision nocturne, mais attendez, j'avais zappé ce détail. Mais ça va vraiment nous aider, je pense, pas mal. Bon, là pour le moment ça ne sert à rien. Alors, je me chie déjà dessus, hein, voilà. Puff Corp Outbite Sahara Therapeutics for Remote Island. Alors ça c'est nouveau ça, hein. J'avais jamais vu ce journal là. Très bien. Je suis bien content. Nous avons bien sûr ici des fusées éclairantes, bouteille d'oxygène, un localisateur découverte, un bunker de divertissement. Donc ça ajoute ça sur la carte. D'accord. Bon là on est dans la grotte donc il n'y a pas de réseau. Très bien. Mais ça a pas mal changé parce qu'il n'y avait pas ici un petit feu là. Je ne sais pas, ça a l'air d'avoir pas mal changé. Ah ouais, on voit super bien là. Je sais pas vous, mais moi je vois super bien. Alors que là je vois plus rien. Donc vous me dites hein, les gars en commentaire si ça vous va ou si vous préférez de la vraie lumière. Le problème c'est que la lumière ça fait des effets de contre-jour des fois, donc on voit pas forcément bien. Alors j'avance tout doucement hein. J'avance tout doucement accroupi. Ok. Les chauves-souris. Très bien. Très bien. Alors, pas de méchants, visiblement. Ça m'a l'air ok. On continue d'avancer. Ah ah, de l'eau. Ok, on a des cadavres. Des militaires. Ok. Je remets les lunettes hein. Je suis beaucoup plus rassuré avec. Oh, il y a des méchants. Alors, j'ai la hache, j'ai le pistolet, j'ai une lance, j'ai un flambeau. Il faudrait mon arc. Il est où mon arc? Il faut un raccourci clavier pour l'arc. La parenthèse. D'accord. Est-ce que j'ai des flèches? J'ai pas l'impression d'avoir des flèches. On va juste rapidement faire des flèches les amis, avant d'aller plus loin. Donc je sais que j'ai besoin de pierres, de cailloux. Voilà, on va en prendre un maximum. J'ai besoin de bâtons. Et j'ai besoin de plumes. Là. Parfait, on va tout prendre. Et on va crafter. Comme ça on est tranquille. On n'aura pas besoin de refaire ça. Parce que l'arc il va être primordial hein. En vrai de vrai j'ai jamais trop utilisé l'arc durant la saison 1. Mais c'est primordial hein. Voilà. Ok. Alors attendez, on va essayer de faire ça bien. Dans la tête.
Très bien. Ok, lui à mon avis il est mort. Et 2-1. Dans la tête. Oh c'est bon ça. Magnifique. Alors là par contre j'ai peur. Ils sont très nombreux hein. Oh là là, et c'est parfait ce qui se passe. C'est parfait ce qui se passe. Est-ce que je tente? Ok. Ah! Ok. Ok. Bon. Pas facile hein. Pas facile. Je me chie dessus, je suis désolé. Ils sont super résistants par contre hein. Je vais reprendre ma hache parce que là j'ai perdu beaucoup d'armure. J'ai perdu beaucoup d'armure. Je vais envoyer une fusée éclairante au loin. Bien sûr je l'ai pas allumé. Putain mais c'est pas vrai ça. Ok. Voilà, on verra déjà mieux. Oh putain, il m'a fait super peur lui. Ok, il en reste plus qu'un je crois. Oh non, il y a un gros mutant. Ok. Oh la vache. Il faut mon flingue. Ok. Oh la vache. Oh la vache. Ah lui il va m'allumer hein. Alors on va prendre une grenade. Voilà. Ah ouais la grenade ça marche super bien. Ok. On va dépecer les trucs là. Normalement j'ai tué tout le monde hein. Normalement j'ai tué tout le monde. Ça va être vite vu. Normalement. Normalement j'ai tué tout le monde. Allez on va récupérer les flèches. On va dépecer les trucs là. Excusez-moi si je parle pas trop. On est à fond dans le truc pour le coup. Ça fait du bien aussi des épisodes comme ça je trouve. C'est vraiment important de d'avoir ce genre d'épisode. Là il y en a un, là je peux le dépecer ou pas? Non, ah si je peux c'est bon. Alors l'avantage de les dépecer c'est qu'on va pouvoir du coup avoir de nouveau de l'armure. Ce qu'on a perdu notamment, donc ça c'est pas mal. J'ai hâte que vous me dites en commentaire, mais les lunettes de vision nocturne c'est juste incroyable. C'est sûr qu'on voit pas très bien, mais au moins on voit quelque chose. Parce que là on voit rien, là vous voyez. Et avec une torche, c'est pas la même. Alors la torche elle permet de voir plus loin, ça c'est vrai. Mais c'est pas non plus incroyable. Bon, normalement voilà, j'ai tué tout le monde, c'est pas mal. On a un mec qui est pendu là-haut.
D'ailleurs, vous savez quoi, je vais sortir la lampe de poche. Alors pareil, elle demande des piles, donc c'est pour ça... Ah ouais, c'est pas mal, là, comme ça. En vrai, c'est pas mal. Ok. On va continuer, on va essayer de pas passer à côté de quelque chose. Oh, on va peut-être laisser allumer ça. Alors on a des... Ah bah parfait, on a pas mal d'os là. On a pas mal d'os. On va pouvoir se refaire des armures en os du coup, faut en profiter les gars. Hein. Ça c'est quelque chose que je faisais pas non plus durant la saison 1, mais il faut en profiter quoi. Dès qu'on trouve des os, il faut absolument se crafter... Ah mais j'ai pas de... Si c'est bon. Parfait. C'est bon bébé. J'ai eu un peu peur. Hop, on se refait des armures en os, c'est impeccable. Oh, c'est parfait. Plus les armures effrayantes, là on se met vraiment bien quoi. Là on se met vraiment bien. Je récupère encore ici. Tous les os, on essaye d'en louper aucun. Voilà. Alors on a un chemin qui va vers la gauche, un chemin qui va vers la droite. Ça m'avait manqué ce genre de choix. Bah écoutez, on va aller à gauche. On va aller à gauche. Très bien. Alors on va balayer un maximum la zone. Comme ça on est sûr de rien louper. Ok. On a de la flotte. Des gilets. Très bien. Alors, là ça pue. Là ça pue la merde. Hey, je me demande avec ma lampe de poche. Normalement je vais les éblouir les méchants là. En vrai. Donc c'est pas mal. On va suivre le chemin à droite. Je sais pas dans quoi je m'embarque. Je suis content de pas avoir poncé le jeu à fond les ballons quoi. Vraiment je... Là je sais pas du tout où je vais. Ça se trouve c'est la grotte qui mène à l'appel. Comme ça se peut pas du tout quoi. Hein. Moi ce qui me dérange c'est qu'il y a pas de méchant là. J'aime pas du tout l'idée. Je récupère les... Oh les pierres. Oh de la corde, parfait pour refaire les armures. On a des jambes. Je récupère les membres humains, voilà, je suis un psychopathe. Très bien. Très bien, très bien. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, des canettes de soda. Quel plaisir, mais quel plaisir. On récupère des fils, très bien. Oh, attendez, c'est la grotte où il y a un requin là. Regardez, oui, c'est ça, il y a un requin juste ici. Ah, je m'en souviens en plus. Alors attendez, hé. En vrai, de vrai. Si je lui fais un headshot, ça passe, non? Hop, on récupère tout ça. D'ailleurs, vous savez ce que je vais faire? On va en profiter. J'ai récupéré du poisson, je crois. C'est ça. Donc, si déjà... Ah non, mais j'ai plus de bâton aussi. Ah putain, j'ai plus de bâton. Je peux pas faire de feu, quoi. Ah, c'est pas la peine. Dommage. Je voulais faire cuire le poisson, en gros, tu vois. Ça aurait été rentable. Il est où, le requin? Ah bon, je vais pas user ma lance. Ce serait complètement débile. Du tissu, très bien. Des crânes. Des os, magnifique. Oh là là, il y a des os partout. À manger, je vais prendre direct. En fait, la nourriture, c'est pas un problème. Le vrai problème, c'est l'eau, quoi. Recycleur d'air. C'est la grotte du recycleur d'air. Ok, on a la tenue de plongée. C'est ça ? Si je dis pas de bêtises. Normalement c'est la tenue de plongée. Donc on va pouvoir aller dans l'eau. Alors ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique. Bon je sais pas où est le recycleur d'air. Mec j'ai une casserole. C'est une blague. J'avais une casserole depuis le début. Oh mon dieu la honte. Je sais pas depuis quand j'ai la casserole mais je l'ai. Voilà donc on va pouvoir faire cuire l'eau. Incroyable. Eh la honte. Je suis sûr qu'en commentaire là il y en a plein qui vont me le dire. Depuis le début j'avais ce qu'il me fallait. Ok bah écoute. C'est génial. Putain
Putain, je suis content. En vrai, je suis content. Je le partage pas forcément là. Mais je suis très content. Il y a juste à faire bouillir l'eau et puis c'est bon quoi. Trop bien. Bah écoutez. Ah, je suis content là. Je suis sincèrement content. On va refaire du coup des armures en os puisqu'on a des os encore. Hein, voilà. Voilà. On va en faire un maximum. Comme ça on sera paré pour la suite. Oh, je suis content, putain, on a une casserole. Et ça se trouve je l'ai depuis le premier épisode et je le sais pas quoi. Ça me saoule ça. Oh putain, bon allez, on va continuer nos épopées si c'est possible. Non, il faut aller où là? Faut aller où là? Faut remonter? Non, c'est un cul-de-sac, c'était juste pour le recycleur d'air. Alors je peux passer aussi dans l'eau. Mais il y avait une autre partie de la grotte aussi que j'aurais aimé voir. Alors donc on va retourner dans la grotte quand même pour continuer. Parce qu'il y a d'autres trucs à explorer. Alors on peut passer par l'eau et normalement on ressort de la caverne si on se fait pas bouffer par le requin. Mais bon, il y a d'autres trucs qu'on n'a pas encore vu, donc je trouve dommage. Autant tout explorer. Ah bah ça mène à nulle part là. Ah bah on a tout vu alors. On a tout vu de ce côté, génial. Ok. Ah je suis content. Et bah du coup attendez, il y a un autre côté encore à voir. Donc on vient de là-bas. Oh les chauves-souris elles m'ont fait peur. On vient de là. On peut aller là-bas. J'espère qu'on va pas avoir 30 000 choix. J'ai peur. Les chauves-souris, j'aime pas du tout le bruit des chauves-souris. J'aime les chauves-souris. Hein. Mais alors sur le jeu, j'aime pas. Putain, y'a pas de méchants là. On va pas parler trop vite mais... Alors si jamais j'ai encore des grenades en stock... À gauche c'est bon, à droite je vois pas de mouvement. C'est pas mal là. C'est pas mal du tout. Ah! Voilà. Là on a quelque chose. Alors toi tu vas te calmer direct. Hein. Je préfère te le dire. Putain mais nique ta race toi. Putain, je croyais qu'ils étaient aveugles. Alors, je veux bien que vous me dites en commentaire parce que pour moi, ils étaient aveugles. Et ils m'ont pas l'air très aveugles. Hein. Ok. Bon, je vais boire un coup. D'accord. Je vais me rééquiper d'armure parce que l'avantage, vous avez vu, on perd pas de santé malgré. Donc, c'est vraiment très important. Ah, j'ai mis de l'armure de feuille. Bah, c'est pas grave, c'est déjà pas mal. Comme ça on économise, regardez j'ai 4 armures effrayantes, 5 armures d'os encore en stock, hein, tu vois, donc c'est vraiment vraiment pas mal. Alors bonjour à tous. Oh là 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 là. Saloperie quoi. Saloperie. Ouais ouais. N'y compte même pas. Attends, je vais sortir mon arc, tu vas rien comprendre toi. Ah. Ah. Je savais pas qu'en sortant l'arc, ça éteindrait la lumière. Alors, ce qu'on peut faire, c'est prendre la lunette de vision nocturne. Non, ça c'est des jumelles. Ah oui, d'ailleurs, du coup, les jumelles qu'on a récupérées dans le dernier épisode, regardez comme c'est trop bien. En vrai, je pensais pas que dans les grottes, ça serait sympa. Et bah c'est très sympa, voilà, bah c'était pas ça que je voulais mais très sympa. Voilà. Lunette de vision nocturne, voilà, et là normalement je peux prendre mon arc. Sans putain de problème. Alors
Hop. On a un gros mutant là. Oh, je l'ai niqué. Attendez. C'est le moment. Grenade, attention les jeunes, grenade. Attention les jeunes. Et voilà. A pu. Ah ouais, non, la grenade c'est sous-côté. Hein. Il y en a encore un là. Ça va mon ref? Voilà. J'entends de la musique. Il y a de la musique. Ok. Alors, on va dépecer tout ce bordel. Et la grenade, c'est génial. Hein. Je suis refait. Hein. Cet épisode est génial. Hein. Je suis fier de moi, en fait, les gars. Faut le savoir, je suis fier de moi. C'est MKOLO 2.0, là. Hein. Ah, j'ai buté deux gros mutants sans le savoir, tu vois. Comme quoi, la grenade. Hein. Je crois qu'il m'en reste plus qu'une, malheureusement. Donc, attention tout de même. On récupère ça, on récupère ça. Voilà. Je peux dépecer. Faut vraiment rien laisser. Hein. Je vais déplacer ça. Oh non, il y a un cadavre ici de. Pareil, d'un soldat. Attention tout de même. Voilà, là on a un maximum d'armure. Bon, on va continuer l'ascension. Enfin, la descente, si je peux dire. Niveau grenade, du coup, il en reste. Ah non, il en reste 3 encore. 3 grenades. Un explosif. C'est vrai que je peux faire encore des explosifs. Attendez, circuit imprimé. Il faut quoi, des piles? Il faut quoi? Du shatterton, du fil, des montres, c'est ça? Des pièces. Des pièces, bien sûr. Où c'est qu'il y a des pièces? Là. Des pièces. Et bloc de C4. Allez, go. On a une deuxième bombe à retardement. Bon, je préfère les grenades parce que c'est instantané au moins. Voilà, impec. Par contre, il y a une musique de piano à droite. Oui, attendez. Attendez. Ah oui, par là. Il y a un chemin là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, il y a des bébés. Il y a des bébés. Bon, la musique venait pas de là. Attendez, je vais trouver la musique, moi. Y a la musique juste au-dessus. Ah oui, regardez. D'accord. C'était juste ça. Ok. Bon, très peu intéressant. On va juste continuer le chemin là qui descend. D'abord, avant de se faufiler je ne sais où. J'aimerais bien voir où c'est que ça mène. Et ça m'a tout bonnement l'air d'être un cul-de-sac. Ouais, c'est un cul-de-sac. Ok. Bon, au moins je récupère des fusées éclairantes également, c'est pas mal. Très bien, bon allez. Donc on va suivre du coup le dernier chemin qui nous mène. Jusqu'ici on a exploré de fond en comble la grotte. Et ça me fait plaisir. Parce qu'on a pu récupérer pas mal de choses. Maintenant voyons voir par là où c'est que ça nous mène. Donc là vous avez vu, j'ai changé de pile pour d'ailleurs il faut juste vérifier, il nous reste combien de piles? 5 piles, ok, ça devrait le faire. Si on pourrait en retrouver ce serait pas mal aussi. Alors attention au petit bébé. Là il y en a un là. Ils font super mal. Les bébés mutants là. Il y en a encore un là. Faut réussir à les esquiver en fait. Vas-y, saute-moi dessus. Voilà. Et là tu peux les... Voilà. Tu vois, par contre faut pas perdre de temps hein. Bon. Par où ça nous emmène? Oh là là, quel jeu. Quel jeu de dingue. Oh là. Des bruits que je n'ai encore jamais entendus. Alors, on a un mec pendu ici.
Oh. Oula. Très bien. Pistolet paralysant. Putain. Non mais là je pensais pas que cet épisode allait être aussi incroyable. Je savais que la grotte était intéressante mais je savais plus pourquoi. Ah ouais, le pistolet paralysant, ça fait plaisir. Oh putain. Ok, il se passe des choses hein. Oh. D'accord, bon c'est juste de l'animation, vous l'aurez compris, c'est pour, voilà, nous, voilà. C'est un cul-de-sac? C'est un cul-de-sac. C'était juste pour le pistolet paralysant. Ok. Ça fait plaise. Ça fait très plaise. On aura fait, normalement, alors, vous me dites si je me trompe, mais normalement on a fouillé toute la grotte. Pour moi elle est terminée, on a exploré toute la grotte de fond en comble. On n'est juste pas passé dans l'eau là où il y avait le requin. On peut, si vous voulez, on pourrait sortir par là. Et pourquoi pas. Eh, autant continuer pour voir si on n'a pas loupé quelque chose. Mais sinon là on a tout fouillé. On a tout récupéré, pistolet paralysant, recycleur d'air. Donc il n'y a plus qu'à passer par là où il y avait le requin. Ah, une flèche. Voilà, nous on vient de là-bas, on a tout exploré. Ok. Ah, je suis content. Je suis content pour le moment de cet épisode. Et là on a buté tout le monde, donc t'as vu, on est tranquille. Donc là je sais que les seuls trucs qui peuvent me surprendre c'est les chauves-souris hein. Soyez rassurés. J'ai pas oublié des os. Ok. Donc nous on vient de là-bas hein. Ni plus ni moins hein. Donc on va retourner là-bas pour prendre le truc du requin là. Normalement on devrait sortir de la grotte également. Alors, on va juste boire de l'eau, enfin du soda. On va en profiter. Putain, on a du marmite quoi. Incroyable. On a une marmite. Je sais vraiment pas à quel moment on l'a récupérée. C'est assez bizarre. Hop. Voilà. Par ici, voilà, faut juste qu'on tue le requin parce que sinon il va nous faire chier. Voilà, le requin il est là. Alors, on va sortir la lampe de poche. Ça nous permettra de mieux le voir. Je vais prendre ma lance. Ah ouais, l'arc, remarque, c'est pas mal l'arc. Il est où le requin? Là. Là je l'ai touché je crois. Je sais pas si... Ouais, j'ai touché, il est en sang. Ok. Oh bien ça. Désolé pauvre requin, t'as rien demandé hein, je sais. Mais j'ai pas envie que tu me croques le cul. Il est mort. Donc là je peux aller dans l'eau. Est-ce que je peux le dépecer ou pas? Non, je peux récupérer mes flèches déjà. Ça va où là? Coup de sac. Ok. Donc là on a le recycleur d'air. Donc tu vois là tu peux pas mourir de... dans l'eau. On va suivre le chemin. Si chemin il y a. Et là on va se retrouver nez à nez avec un requin, tu sais. Ok, par là. Par là, très bien. Parfait. Normalement on devrait ressortir. Si ma mémoire est bonne, on devrait ressortir. Ah, je suis content, on a vraiment fait de fond en comble la grotte. Chose que j'ai toujours eu du mal à faire. J'ai toujours un petit peu speedrun. J'ai toujours un petit peu speedrun les grottes, c'est vrai. Là au moins on aura bien fait. Il nous faudra des palmes pour aller un peu plus vite. Ok. Ça devient de plus en plus étroit, c'est un peu angoissant. Ouais, on est sorti. Et il fait nuit je crois en plus, putain. Oh là là, l'angoisse. Vite, terre en vue. Ok. On est où là? Je sais pas, on va essayer de dormir. Je sais pas où je suis, on va se poser là. C'est le pire truc à faire mais c'est pas grave. Voilà. Est-ce que je peux... Ah non mais j'ai pas de bois. Oh la honte, j'ai pas de bois, je peux pas. Alors attendez, lunettes de vision nocturne, on est où là? Il y a une grotte juste à côté.
Ah mais c'est bon, on est à l'entrée de la grotte, ok. Bon, vous reconnaissez peut-être pas forcément là, mais on va passer la nuit. Et donc ça va aller, regardez. C'est impec. Je vais rentrer dans la grotte de nouveau. Donc au final, ouais, c'est... ça revient absolument au même. On aurait pu sortir par là et ça aurait pas posé problème. Ouais, ça a pas réinitialisé les trucs, je me disais bien. Ouais, mais je peux pas dormir là. Moi, je pensais que je pouvais dormir ici, mais je peux pas dormir. Mais c'est la merde. Ah, j'aurais pas dû casser ma bâche en fait. J'aurais pas dû casser ma bâche là. Comment je vais faire? Oh non. J'ai de la visite. Bon, faut que je récupère du bois rapidement là. Une petite brindille là. Là. J'ai. Eh, ils sont pas censés me voir les méchants là. Hein. Moi je les vois pas. Alors attendez, je vais juste me déséquiper du recycleur d'air là. Il est où le recycleur d'air? Je comprends pas. Je ne comprends pas où est le recycleur d'air. Là. Déséquipé. Voilà. Ah bah le jour se lève! Énorme! Le jour se lève en direct. Impec. Bonjour monsieur, je suis gentil. Voilà, il m'attaque direct, hein, je vous l'ai dit. Alors toi mon pote, dès le matin, je te décime. Voilà, ça dégage. Je veux plus te voir. Ok, putain, le jour se lève, c'est magnifique ce qui se passe, hein. Magnifique. Oh, oh putain, mais ils sont des millions. Les gars, attendez. On va jouer à un jeu. On va jouer au jeu sauf qui peut. Allez, salut. Allez, une bonne grotte de fête. Je me barre. Je me barre. Donc on est au jour 11, il est 6h. Putain. Eh oui, ne pas regarder son téléphone au volant. Et bon, on va remonter vers notre base, je pense, en suivant le cours d'eau là, ça peut être pas mal. Ou alors on continue de faire le tour de la map. Ça peut être une idée aussi. Tant qu'on y est, ça peut être une idée. On va faire un petit peu le tour de la map, eh. Si déjà. On va suivre la plage. Ça c'est magnifique, hein. Et n'oubliez pas le like les amis, parce que là on aura fait quand même pas mal de choses en 20 minutes d'épisode là dans la grotte. On aura tout exploré. Franchement c'était vraiment génial. Ah là on peut pas passer. Et attendez, je vais en profiter pour bon, on va abandonner le truc ici. Voilà, on va en profiter pour récupérer les loot gratuits là, puisque ça a repop. Voilà, on va manger si déjà. Comme ça, voilà, on peut récupérer aussi des flèches ici, du tissu. On peut sauvegarder du coup derrière, ça c'est pas mal. Voilà. Oh, la casserole, elle était là, putain. C'est ici qu'on a récupéré la casserole dans le dernier épisode. Ok. Et ben voilà, magnifique. Magnifique. Bon, du coup, je pense que vous me l'aurez dit en commentaire. Ah, c'est génial. C'est génial. Des médocs. Et de la casserole également ici, très bien. Bon, je peux pas récupérer deux fois le katana, hein, vous doutez bien. Ok, bah écoutez, on va monter et on va suivre le chemin, si je puis dire. Voilà, on va faire un petit peu le tour de la map, comme dit. Le tour de l'île. On va se balader là. On va chiller maintenant là, finalement. Enfin, chiller, si je puis dire. Hein. On va un petit peu se promener. Bon, là j'ai soif, mais c'est pas grave, j'ai encore du soda. Et puis par la suite, on pourra se faire des. Bah, avec la marmite, comme dit, on pourra se faire des recettes et tout. Donc, les recettes, ça te donne à boire et à manger, quoi. Ça te remplit le bide d'un seul coup. Ça, c'est clair. Bon, j'aurais pu prendre le monocycle, hein, c'est vrai. Du coup, il m'a mis une nouvelle localisation sur la map, normalement. Ça doit être le point vert là-bas, non, je sais pas. Ah, le point d'exclamation. Ils ont ajouté un point d'exclamation là-bas. Bon, maintenant c'est à l'opposé, hein, fuck. Moi je fais le tour de la map, j'en ai rien à péter. Je change pas mon plan. Mais d'accord, très bien. Forcément, plus t'explores et plus il va te découvrir des points d'intérêt et tout. Donc c'est ça ce qui est vraiment cool. Là où dans la saison 1, au lancement du jeu, je veux dire, bah, y avait tout qui était déjà affiché sur la carte, quoi. Forcément, c'est pas pareil. Forcément, c'est pas pareil. Bon, bah écoutez, on va admirer un petit peu la beauté du jeu. Oh bah attendez, là il y a un camp indigène là.
Alors je sais pas du tout s'il est nouveau. Moi il me dit rien ce camp indigène hein. Il ne me dit rien ce camp indigène. Alors on va en profiter pour refaire les raccourcis clavier, parce que je suis un peu perdu avec tout ce qu'on a, pour être honnête avec vous. Ça je le verrai bien donc en raccourci 1, ça c'est clair. Ça en raccourci 2. Le pistolet je le veux en raccourci 3. Le pistolet paralysant en raccourci 4. Les jumelles, bon on va pas mettre ça en raccourci. L'arc, raccourci 5, c'est déjà le cas, c'est bon. Bah non, en vrai, on est pas mal. Bah du coup, à ce moment-là, les grenades, je vais mettre ça en raccourci 8. Les jumelles en raccourci 6. Vision nocturne en... On peut mettre une lettre? Ah non, on peut pas mettre de lettre. C'est dommage. J'aurais bien aimé mettre ça en lettre. Un jour peut-être. Ouais, je pense que c'est pas mal. Donc là, du coup, à tout moment, j'appuie là. Ah, je me suis trompé de raccourci, tu vois. Waouh! Le contre-jour. Oh! Je voulais appuyer sur ça. Voilà. C'est pas mal du tout. Alors, on peut pas plus zoomer, malheureusement. Donc, j'ai un mec ici. Ça, c'est magnifique. Ce jeu est magnifique. Aïe. Chaque fois, je me trompe de bouton. Bon, on va aller leur rendre visite de manière paisible. On a du coup des tortues ici. Magnifique. Bonjour. Oh là, mais ils sont nombreux en fait là. Gentil. Oh putain. Hé hey. Ça va pas la tête. Attends, j'ai un taser, fais gaffe. Ah, ça marche bien. Ça marche vraiment bien. Attendez. Le taser, j'ai des recharges. Pistolet paralysant. Lance-pierre. Ah oui, j'ai un lance-pierre aussi. Attendez, le taser, il est infini. Attendez, le lance-pierre, c'est génial. Je vais le mettre en raccourci 9. Et le lance-pierre, c'est super, regardez. Regardez bien. Alors il faut juste que j'apprenne à viser. Voilà. Eh. Voilà. 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 En plus ils sont teubés. Bon, vous êtes mort déjà. Voilà. Ça dégage, il y a des trucs à récupérer. Voilà, une bourse, très bien. Là, des caisses. On va pas en faire des caisses. Voilà. Ah, attends, là-bas, il y a un bonhomme. Moi, avec mon lance-pierre, je peux tout faire. Oh, presque. Hop là, dans la gueule. Oh, je l'ai one-shot. C'est génial. Eh, ça te fait marrer? Salopard. Ça le fout, va. Voilà, on récupère des cailloux. Les madames, on évite de les attaquer. Un peu de fair play. Bon, après, vous êtes pour l'égalité, hein, remarque. Allez hop. Voilà, allez hop. C'est tout le monde pareil ici, d'accord? Alors, toi, par contre. Oh. Par contre, ils reviennent en masse les autres derrière. Hein. Wesh! Voilà. Voilà. Tu crois que tu me fais peur? Oh putain, comment je t'ai eu toi? T'as rien vu venir. Oh. Voilà, tombe. Attends, ça va me prendre par derrière là, je j'aime pas du tout. Voilà. Oh. Arrête. Bah, monsieur. Ah, j'ai plus de cailloux. Ah bah c'est génial. Aïe. Alors ça c'est lâche. Voilà. Alors ça dit quoi l'équipe? Attends, pendant qu'il est à terre. Voilà, regarde ce que je fais à ton pote. T'as vu ça? Tu veux que je te fasse la même?
Il gigote là. Chacaron, magaron. Bon, les amis, on s'amuse bien. On a des bourses à ouvrir. Alors, directement, on va les ouvrir. Les petites trousses de toilettes. Oh, pas mal. On a des médocs. Des pièces des médocs, très bien. Bien ça. Des piles et tout, c'est cool. En vrai de vrai là. On commence à être quand même bien rempli, hein, si vous voulez mon avis. Hein. On commence à être bien rempli. Hop. Désolé, je veux des plumes. Voilà. On en profite. J'adore cet épisode. Bombardez-moi cette barre de like. Et surtout, achetez ce jeu, quoi. Il est incroyable, ce jeu. Elle est en train de pleurer, la madame. Il faut pas pleurer. Pleurer, c'est pour les faibles. Et les femmes ne sont pas faibles. Donc on ne pleure pas. Voilà, très bien. Ça, c'est fait. Allez, je vous laisse tranquille, hein. J'ai vu ce que je voulais voir. Je me barre. Ah, elle a pas l'air très contente, madame. Il faut que je récupère des pierres quand même sur le chemin là. Alors c'est pas ça qu'il faut. Voilà, c'est ça qu'il faut récupérer pour le lance-pierre. Tu vois les petits cailloux. Vraiment cool. Là, voilà, tu vois les petits cailloux comme ça, c'est vraiment chouette. J'adore. Ce jeu est incroyable. Alors, je me fais toujours suivre. Je me retrouve dans une petite crique. Vous voyez un yacht là-bas au bout. C'est plutôt pas mal, on va aller voir ce yacht. Ça date de l'avant-dernière mise à jour, si je dis pas de bêtises. Madame, vous m'emmenez au yacht? Vous voulez qu'on fasse des choses? Parce qu'on peut faire des choses dans le yacht, hein. Ah, je vous le dis. Voilà, allez. Ferme-la, toi. Bon, on est plutôt pas mal. On va peut-être se faire un campement provisoire. D'ailleurs, j'ai réfléchi entre-temps par rapport à notre étang, là où on est installé notre base. Et bien, en fait, vous avez raison. Enfin, vous avez raison. Quelqu'un m'avait proposé de faire une maison sur Piloti. Et en fait, maintenant, j'en ai envie. Voilà. Encore dans le dernier épisode, je vous disais, j'en avais pas envie. Mais maintenant, j'en ai envie. Parce que je vois bien le truc, à quoi ça va ressembler, quoi. Donc, on va faire une maison sur Piloti. Mais pour ça, d'abord, il faut utiliser les bugs du jeu. Et donc, il faut attendre que la neige arrive. Donc quand l'hiver sera là, on pourra faire une maison sur Piloti. Et là, messieurs, dames, c'est juste magnifique. Voilà, c'est absolument formidable. Cet endroit est complètement dingue. Allez, on va aller voir du coup le yacht. Et puis on va s'en arrêter là pour cet épisode. Dans le prochain, on va continuer de faire le tour de l'île, je pense. Et on va revenir petit à petit vers notre base. Directement, quoi. Putain, je croyais qu'il y avait de la neige. Parce qu'il faudra se dépêcher, hein. Quand l'hiver arrivera, faudra absolument commencer à construire la maison sur Piloti. C'est très 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 important. Donc jusqu'ici, je pense qu'il faut faire des stocks de bois également dès qu'on pourra. Bon là pour le moment on n'est pas à la base, mais t'as compris. Alors, voyons voir ce petit yacht. Qu'est-ce qu'on a donc là-dedans là? Ah, à manger. C'est déjà pas mal. Des toilettes, ouais, j'ai envie de faire pipi, ça tombe bien. Bon, pas terrible hein, les sanitaires, hein. À revoir. Coupure de presse, missing CEO. C'est Monsieur Puffton, milliardaire qu'on recherche, bien sûr. Des ampoules. Enfin, une ampoule, déjà pas mal. Ah, des ampoules, j'en ai au pied, hein, je peux te le dire. Fait que de marcher. Hein. Voilà, on récupère tout ce qu'on peut. Ships are safe at port, but that's not what ships are built for. C'est bien dit ça. Ça c'est bien dit. Bon, des médocs, je suis full. Très bien. Très bien, bah écoutez, on va sortir de cette merde. On va aller dans l'autre yacht. Attendez, il y a peut-être des trucs à récupérer, une corde, genre. Pas du tout. Allez, continuons nos péripéties. On récupère un maximum de cailloux quand même. Parce que mine de rien, le lance-pierre, vous avez vu, c'est quand même pas mal. Hein. C'est un truc que tu utilises à l'infini. Facile et rapide. Comment on monte? Ah, une échelle. Ah. Voilà qui est gênant. Alors. Caméra d'action. Oh, attendez. On a une GoPro équipée.
Magnifique, on a une GoPro. Est-ce qu'on peut voir un rush normalement? Oui, si on peut voir. Donc voilà, on a des mecs très bizarres sur un bateau. Enfin, sur les yachts justement dans lesquels nous sommes. En plein milieu de la mer. 1 minute 26. Waouh! Très joli ça. Rien d'anormal, remarque là. Évidemment, on a d'autres bouts de la vidéo à trouver partout sur la carte. On a d'autres bouts à trouver. Donc là, on est à 1 minute 30. Bon, très bien. Jusqu'ici, rien de très alarmant. J'ai envie de vous dire. Les mecs ont le droit de faire du yacht. Ils ont juste mal atterri, si je puis dire. Un peu comme nous, finalement. On a aussi mal atterri. Ok. Du tissu. Voilà, on récupère un maximum de choses. Je pensais qu'on aurait pu save là-dedans. Malheureusement, on ne peut pas. C'est pas bien grave. Bah écoutez les amis, on est plutôt pas mal par ici. On va s'en arrêter là pour cet épisode. Donc dans le prochain samedi du coup, on va continuer de faire le tour un petit peu de l'île. Et puis on va... Et en fait non, on s'éloigne de notre base hein, clairement. Donc on n'est pas prêt encore de retourner à notre base. C'est pas bien grave, écoutez on est au jour 11. Donc on a encore le temps avant que l'hiver arrive. Donc voilà, clairement on va un petit peu se balader encore dans le prochain épisode si ça vous va. J'ai hâte de lire vos commentaires. Et puis voilà, tout simplement. N'oubliez pas le like. Et à très bientôt, c'était Mkolo, plein de bisous. Ciao tout le monde.